Ah, j'espérais que ça... C'est décevant. Bon, au moins, on a plus besoin de mettre de trinket. On a débloqué le perso. Ah, oh. Bonjour. C'est presque fini. Lui, peut-être. Ouais, mais derrière, il y avait The Beast. Alors, The Beast, c'était pas fait. Hein. Ah. Ah, la queue de Guppy. La queue de Guppy qu'on n'a pas pu prendre. Something's wrong, Lemon Party. Alors ça, c'est ballot. Avec mon mimiqueur. On cherche tellement les emmerdes. Après, je peux pas dire non aux destouches. Aurait été. Aurait été terrible. Cavalier, quand t'as pas de DPS, c'est pas drôle, hein, par contre. Hein. Vraiment. Hein. En vrai, j'ai pris le tech 2. Je suis pas sûr que le tech 2 c'était vraiment une bonne idée, en vrai, quand je l'ai pris. Au final. Je sais pas. Fait trappe. Oh, mieux fait de prendre un dégât par un petit fantôme. Ça aurait été moins grave. Oh, on avait un Death Touch, c'est rare qu'on ait Death Touch. Ça l'a touché aussi. Bien fait. Je cache pas derrière les pots, bordel. Ah non. Déjà, je suis nu vanilla sans dégâts, sans rien. Pas sympa, merde.
Deux carreaux, cool. C'est un peu moins cool, mais deux carreaux, c'est cool. Truc pour perdre de la vie, oui, mais là non. Oh. Y'a les sauts, y'a les sauts. Des bombes aussi. Tears down. Pas sympa. C'est pas sympa. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. C'est laborieux pour le moment. Être marié est un péché. Allez. Ah merde, on est en Curse of the Blind. Ben, tant pis. Après, ça tombe bien, faut pas qu'on aille en item room.
Enfin, faut pas. On a pas envie d'y aller. Crois maintenant. Un oiseau, un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Le temps qu'il arrive, les boss, hein. Bien discutable pour le moment. Hein. Bien plus dangereuse que ça. Smile ce boss. En même temps, si tu le tapes pas, il t'attaque pas. Hein. Bah, il se barre, surtout. Il t'attaque quand même. Quand même. L'esprit de la nuit, la pâte de Guppy, le serment du sang. Oui, c'est-à-dire. Et le casse-croûte, c'est bah. Ouais. Au moins, on aura un petit damage up en début d'étage. Stats up. Et une pièce, certainement. Ah oui. On va se faire mutiler dès la première salle. Paf! Une pièce. Ça va être super. La richesse est à nous. Hein. Dans la curse. C'est jamais un objet de Guppy au hasard. Une pilule avec des PV augmentés, pourquoi pas. Enfin, encore plus de stats au début de l'étage. Impeccable. Voilà une affaire qui s'améliore. Un peu, mais bon. Ouf. Fléau de cécité. Ok. Donc deux de suite, quoi.
Salut Turian. Speed down. Oh mais elles sont terribles les pilules. Un first down, un speed down. Un heads up quand même, mais bon. Ça se trouve c'est un heads down. Hein. Je sais pas, on était à un cœur. Mais merde. Bah on a plus qu'à espérer que je l'ai pas l'objet. Hein. De toute façon j'ai pas de clé mais. Ouais. Aetarium au Curse of the Blind. C'est chiant. Vénus. Je l'avais pas Vénus. C'est quoi Vénus? Je l'avais pas Vénus. Non, j'avais pas Vénus. C'est cool. Bon, ça fait quoi, Vénus? Qu'est-ce qu'ils me disent? Puissant de vie, les ennemis proches sont charmés. Waouh. Waouh, c'est trop bien. Le truc c'est que je vais quand même pas aller en item room parce que... Après les ennemis chargés, charmés ils s'attaquent entre eux. Hein. Jupiter. D'accord. C'est le meilleur Jupiter. Le charme il est hyper large en fait. C'est les ennemis proches mais c'est proche proche de loin quand même. Hein. Ah. Non mais on est censé être potes. Les dégâts que j'ai, c'est pas drôle, hein. Heureusement que j'ai le vol, hein. Pour vous mentir. Ah bah oui, t'as raison, pète-moi dessus, on est potes. On fait ça entre amis, on se pète dessus, c'est ça que tu veux me dire? Bizarre le boss quand même. Hein. Ah. Oh. Ah. Il y a deux objets de Guppy. De la vitesse et une brimstone. En soi, ça me va. Par contre, la queue de Guppy, c'est terrible. J'ai pas de clé. Hein. Et la brimstone, sans dégâts, c'est pareil. Hein. Ça va être un peu emmerdant. Hein. Thank you.
là. Pour un truc pas cher en bas. 17, pas si cher. Hein. Peut-être parce que c'est pas si bien. C'est quand même dommage. Et quoi ? Oui. Non, mais c'est pas grave, j'aurai des sous au prochain étage. Et je vais. Ça va, tout est calculé. Vous pouvez me croire sur parole. Je ne fais jamais les choses au hasard. Jamais. Je suis crédible, hein. Regardez, je vous l'avais dit. Jamais au hasard. Quel énorme con. Ah, évidemment, item room en Curse of the Blind, c'est dommage. Ah, qu'est-ce qu'on prendrait pas l'objet à 17 en mode HP up, ça valait le coup, ça valait le coup, sauf que il va être bien le début de l'étage pour le prochain étage. Ah, il va être bien le début du prochain étage, je le sens. Ah, quoi, et merde. Mais c'est vrai que je peux surcharger mon D6. C'est formidable. Eh ben j'ai plus de clé. Pas de chance. Il y avait des feux bleus dans le planétarium. On sait jamais. C'est va être très rigolo. Au moins, je suis pas en Curse of the Blind. Mais j'ai pas de clé. Et merde. Pas de clé, Guppy Stain, on est bien. On est très 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 bien parti. Ce qui pourrait mal se passer. Ah, début diminué. Ah. Connerie. Bon, y a quoi là-dedans? Ah ouais, vraiment du rêve, hein. Au moins il y a un cœur. C'est de ça que j'ai besoin.
Oui, forcément, c'est ouvert. Hein. À l'œil de verre, c'est cool, mais... Aller à un demi-cœur, moi je veux bien. Hein. Cœur noir à 8 et un HP up à 20. Peut-être reroll tout ce merdier. Bon, allez. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? La mort? C'est vrai. Great, please. De mourir, faudrait que je prenne le cœur noir. Je reviendrai. Je devrais pas les ouvrir les coffres. Comment je le fais, hein? Il y a encore lui. C'est déjà vu, non? Que je puisse pas avoir les deux. Con que je puisse pas avoir les deux. Allez, une petite arcade avec une machine de bon sang, ça serait formidable. Pas mal, mais c'est ça que je cherche, c'est ça la question. Ah, ça par contre, c'est ça que je cherchais. Hein. Ça c'est sûr. Toujours pas utiliser ma 2 de carreau. Je me jette sur les trucs avant d'utiliser ma 2 de carreau. Ah, et pourquoi j'ai cette carte si je l'utilise pas? En marche. Il est bien strinqué.
As de trèfle pique ton cœur. Ah. Caroline, alors. Quand t'aimes, c'est prendre le microphone pour te parler de là. Ah, et la mouche maligne. Ouais, tant pis. Eh bien, la mouche maligne. Parce que. Bah, parce qu'elle est maligne déjà. Pas donné à tout le monde. Alors ici ou là-bas. Rien de surprenant. Une clé. Faut trouver des pièces. Malheureux, hein, mais faudrait trouver des pièces. The Void, est-ce que ça vaudrait le coup? Pas sûr. Alors ça, faut que je le prenne par contre, le purgatoire. Je l'ai pas pris encore, je crois. Partie des objets que j'ai pas pris. Il me semble. Mais je suis pas sûr. Non, c'est pas le purgatoire, c'est un autre truc qui ressemble. Non, j'ai déjà pris le purgatoire en plus. Ça me dit quelque chose. C'est un autre truc qui ressemble. Ah, je me trompe. Par contre, la Goated. Bien sûr. Bien sûr, la Goated. Connerie. Bon. J'ai déjà pris le purgatoire. C'est un autre truc qui ressemble. Mais je sais pas ce que c'est du coup. Oh, les 4 clés là. Le plaisir. Cool. On prendra après ça. Après, on va le reroll aussi. Hein. En vrai. Bait. Infested.
Ah ouais. C'est nul, hein. Ah, c'est... Ouais. Je fais un chemin très audacieux. Oh. 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 Peut-être que je trouve du territe à un moment, par contre, hein. Et ça va commencer à devenir chiant. Pourquoi je suis pas allé à la salle de boss, moi, avant? Mon dé il est full chargé, c'est ballot. Enfin, j'aurais pu reroll moins la salle, l'objet de boss. Peut-être même le Devil Deal. L'objet de boss c'est sûr parce que il prend pas terrible. Là on est en profondeur 1. Un tears up. Ah voilà. Allez, un tears up. Après 006, je suis pas sûr qu'on voit la différence de façon flagrante. Mais c'est de cœur bleu. Oh, même pas un cœur bleu. Quelle connerie. Je faisais ça pour ça avant tout. Lock down. Ça donne pas envie d'utiliser la deuxième, en tout cas. En 9 balles. Le truc. Oui. Ça. Ça va, c'est pas catastrophique, c'est juste pas génial. Hein. Je savais pas que ça faisait full charge comme ça, la 9 volts. Et comme quoi, la 2 de carreau, j'avais bien fait d'attendre. On va peut-être aller en Angel Room, hein, du coup. Avec un D6, ça donne envie. Sachant qu'on a déjà une brime. Pourquoi je retourne en arrière, moi? Pour la batterie du shop, mais ça vaut même pas le coup au final. Ça ne vaut même pas le coup. Il n'y avait rien d'autre. Bon.
Bon, très bien. Tout pour recharger un D6, mine de rien. Tout pour recharger le D6, rapidement. Aussi. Merde. Ok. Les choses s'arrangent. En termes de points de vie. Merde, par contre ça c'est chiant. Ouais, merde. Je vais avoir plein de sous. Mais... Je vais perdre le cœur éternel. Peut-être. Il y a la machine que je vais bourrer si... S'il le faut. Le shop plus vite par contre. Le shop ou l'item. Ah, voilà. Ah. Parfait. Malheureux. Hein. Là, on n'est pas malheureux. Hein. Alors, et quoi dans le truc là? Ça, bien sûr. C'est quoi ça? C'est l'âme du gardien fait apparaître de 3 à 25 pièces pour 6 balles. Allez, ça fera des... Au pire, ça fera des demi-cœurs bleus avec de la chance. Soul of the Keeper. Ouais, hein. Ça valait le coup. Le cœur d'os. Ouf. Je garde mes deux rerolls pour en vrai, vu que je reviens, quoi qu'il arrive, peu importe. Je vais garder mes deux rerolls pour l'Angel Room. Puis après, s'il m'en reste, j'utiliserai dans l'étage. Et déjà, faudrait que je trouve la The Food. Faut faire gaffe. J'ai forcément vu le crâne, mais je l'ai pas vu. Allez. Hein. Allez, on va faire le boss. Ça va être... le boss, après on fera ici. Ah, il y a de quoi faire encore après.
Alors, on s'en fout. Oh, pas terrible. Ah bon, voilà. Les agions Brim, ça fera rien. Hein. Toute logique. Hein. Bon, j'en sais rien. Mais... L'âme d'Eden. Je crois que je l'ai pas encore ramassé, donc c'est fait. J'utiliserai pas. Et là, Monstrance. Monstrance, c'est cool. Bon bah allez. Alors. J'ai déjà mis une bombe et il n'y a rien eu. Une machine qui pète, encore une déception. Ça, parce que j'ai besoin de vitesse. Oh, elle est secrète en vrai. Elle doit être en haut entre la challenge room et le shop. Il y a encore encore un ou deux étages. Je fais de lui rien. Bon, très bien. Allons-y comme ça. Là, perdre 4 cœurs rouges en début d'étage. Je m'aime pas bomber. Faudra tranquille, c'est pas grave. Je reviendrai.
hache. Hematemesis. Ah ouais. Je reviendrai, hein. Plus tard. J'arrive, hein. Quel radin. 8. Pas rien. Oh, le battleur. Oh, le battleur. Oh, oh, le battleur. Gérard Butler, évidemment. Ça, c'est une blague pour cinéphile. Eh bien la bombe dorée de merde là, hein. Le cœur qui est au pire endroit. Ouais, le truc, hein. Demi-cœur bleu. Et de retour là. L'enfléo du dédale. L'amoureux. The lovers. Parfait. Ah, s'il donne the lovers, lui. Qu'on lui donne des cœurs. Chariot. C'est creux retour du plus gros radin de l'univers, hein. Et puis non. Ça s'en prend. Faut dire que ça fait chier, mais... débloque le carton de déménagement. Bah oui, je sais bien, mais je suis pas du tout à cet endroit là. Faudrait que je le fasse, ça. Oh 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 oh, la conscience collaborative. Pomme de Sodome. Ça, je l'ai pas pris, la marque d'harmonie non plus, donc faut que je le prenne. Deux cœurs d'âme, les ressources lâchées par les ennemis d'élite et change selon ce qui manquait. Les... Allez. L'âme de l'élite. Invoque un familier aléatoire de manière permanente. Oui. Soul of Lilith. Lilith. Le PhD à 21 balles. Putain, tellement envie de le prendre. C'est un balle pour un doctorat, ça vaut le coup. Ah, la pièce elle est où? Oh, culade. Elle est derrière la machine.
Ouais, j'ai plein de cœurs bleus que je peux donner à la machine. L'avantage. J'achète le PhD. Oh, c'est une sticky. Ah putain. Ah, on va attendre que la machine pète, peut-être. Éventuellement. Elle a éventuellement pété. Ah, est-ce qu'on a envie de reprendre encore un HP up comme ça? Ouais, pour la vitesse, pourquoi pas, mais on a déjà une bonne vitesse. Après, on a une bonne vitesse parce qu'on a le truc qui s'active en début d'étage. Pièce ça donne pour 5 balles. Prendre avant. Bon. 15 balles, t'as 30 balles. Bien. Ça, je vais pas le reroll. Je sais pas. Boîte du larbin. Pour être déçu. Merde. Ah, je quand même le prendre. Que si je le prends après ça me fait plus j'ai de cœur rouge moins j'ai de cœur sur le boss final. Attendez. Vous devez savoir ça vous. Le truc là qui me mutile là, le Blood Oath là. Quand t'arrives à Home. Il te fracasse la gueule, tu dors dans le lit, quand tu ressors du lit, c'est bon, t'es full vie. Ah, donc on s'en fout. Parfait. Bah oui. Pourquoi je fais ça? Je suis amoureux de toi, là. Ouais, c'est ça. Sésame, 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 amoureux toi. Le cintre, la justice. Justice. Wow. Alors, j'avais une. J'avais un battleur quelque part.
super. Je suis convaincu que ça sera très bien. Je suis convaincu qu'elle a disparu aussi. Elle est repartie ailleurs. Ah, on va s'amuser à la chercher. Jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Formidable. J'adore l'humour. Putain, mais oui, il faut que je retourne en Curse Room, moi, en plus. J'avais oublié. La Curse Room, elle est grave intéressante. Voilà. Le battleur. Bon. Couché. I am pushed. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? How can you have spent our savings? Ah, c'est... Ah ouais. Quelque chose. Le battleur ou le battleur? Bon, je vais prendre le battleur. Alors, Propto, non. Malheureusement, non. Avec une brime, non. Pas envie. On prendra un famille, hein, a priori. On va avoir le choix. J'ai eu la range, formidable. Ouais, ça va être la surprise de l'infini, ça. Tempérance. Merci les mouches. Merci les mouches. C'est bon. Heureux. Self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. You're drunk again, aren't you? Shut up, Maggie. Shut up. You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. Toujours des cœurs bleus qui drop, hein. Pour rien. Bon, j'avais vu l'item room. A priori. On a des cœurs dans cette run, c'est fou ça. Morceau de clé, la blague. Je vais laisser un trinket.
contre, attention, attention, attention. Laisse pas le butler derrière. Fais pas le fou. Fais pas le fou. C'est vrai que j'ai un guppy conscience collective, quoi. Ce qui est pas anodin. Roux, mais merde. Oh. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your you soul. You are insane. You are taking this too far. C'est rigolo. You sound. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Ça cartonne, hein? Avec mon trinket là, même s'il me sert plus à grand chose. Ouais, un peu plus de débit, mais bon, après, avec un quad brim, ça montera jamais énormément. Hein. J'en ai eu quelques-uns et les augmentations elles sont pas énormes du coup. Parce que quad brim. Le bouquin nul. Alors, débit augmenté, bah, suffit de demander. Portée augmentée, ouais. Ça fait quoi d'être Belzébuth? Ça m'apporterait quoi d'être Belzébuth? Pas grand chose. Avoir deux cartes. Ouais, les mouches alliées. S'en fout. Les mouches sont déjà mes alliés. Oui, on aurait pu être aussi celle du cavalier, effectivement. Pas très grave. On est où là? Sous-sol 2, donc il y a encore le sous-sol 1 derrière. Non? Si? Oui? Ça veut dire que je peux reroll l'objet de marchand là. De Guy quoi. Sacré Guy. Non. Bumbo, hein. Bah non. Glaucome, non plus. Hein. J'ai déjà pris glaucome.
des œufs. Non, mais j'ai déjà pris. Quelque chose. Un objet n'apparaît jamais. Oui, il veut que je lui donne des pieds et des clés. We need you. Your son needs you. More harm than good. Bon, ça ira. Just can't do this anymore. Il est gentil, lui, mais j'ai quand même besoin de clés, moi, pour. Bébé drogué. Animal. C'est à moi, évidemment. Il est résistant, lui, normalement. Allez. Boum. Laisse pour enfant. Ah, enfin. Putain. C'est nul. Oh. Ouais, c'est vrai. Oh, l'attaque de mouche sur la télé. Non, c'est pas la même que tout à l'heure. Hein. Ah, c'est pas la même que tout à l'heure. Hein. Balance-toi. Quoi? Ses amours ou quoi? Allez. Ah oui, j'ai oublié de faire ça, tiens. C'est vrai que je pouvais faire ça aussi. J'avais oublié.
Le non-respect. Le non-respect existe, je me suis mis au-dessus de sa tête, hein. Plus d'options est apparu sous-sol.